Thierry. FIM FM. Talk Politique, le curseur sur l'actualité et la gouvernance politique en Guinée. Talk Politique, les faits politiques du jour, vus et décryptés par nos chroniqueurs et commentés par les auditeurs. Moustapha Diallo. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence qui vous parvient tous les soirs quand il est 17h05 sur la 95.3. Merci de nous préférer pour mieux comprendre l'actualité de ce mardi sur FIM FM, mais aussi sur l'ensemble de nos canaux digitaux, notamment la chaîne YouTube de FIM 24 et la page Facebook de FIM Guinée. Encore une fois, bonjour et bien bonsoir et bienvenue. Un débat ce soir, empêché de sortir du territoire national le week-end dernier alors qu'il se rendait en France. Le président du PADES, Dr Ousmane Kaba, a été auditionné par les officiers de la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale dans l'après-midi de ce mardi. L'économiste et ancien président du CAS, comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie, serait-il sous les griffes de la CRIEF? Pour l'heure, on ignore les raisons de cette audition. Aux dernières nouvelles, Dr Kaba était à la recherche d'une autorisation de sortie auprès des nouvelles autorités du pays, comme il lui a été notifié samedi dernier. Comment une simple quête d'autorisation s'est-elle transformée en audition à la gendarmerie nationale? Autant d'interrogations que Talk Politique pose ce soir, alors que le principal concerné a regagné son domicile. Nous apprendons, en parlant toujours de la justice et de la CRIEF, l'ancien ministre du budget Ismaël Djoubaté et l'ex-DAF de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont enfin mis en liberté. Folha Mansaré et Ismaël Djoubaté sont poursuivis par la CRIEF pour détournement de deniers publics, corruption et complicité dans l'affaire Nabaya Gate portant sur plus de 130 milliards de nos francs. C'est donc une bataille gagnée que vient de remporter ces accusés face à la CRIEF dans l'affaire Nabaya Gate. La Cour suprême a ordonné ce mardi leur mise en liberté dans un arrêt à la suite d'un pouvoir en cassation déposé par le procureur spécial Ali Touré de la CRIEF. À suivre, la grille de lecture d'Ibrahim Sori, Lincoln Souma et d'Emmanuel Milimono. Enfin, malgré les efforts fournis pour une transition apaisée et inclusive en Guinée, beaucoup reste cependant à faire, estime le Forum des forces sociales de Guinée. Ces organisations de la société civile et mouvements syndicaux expriment leurs préoccupations quant au manquement dans cette transition. Par la même occasion, le FFSG fait des propositions pour rattraper ce qu'il qualifie d'écart ou de dérapage dans cette transition, cette période très sensible. On en parlera avec notre invité dans la dernière partie de cette émission et ça sera dans la rubrique à bâton rompu de Talk Politique. Il s'agit d'Abdoul Sako, président du réseau COGELPED, un des signataires de la déclaration publiée ce mardi. Dans Ils ne s'en foutent pas, vous le savez, tous les soirs, vous prendrez la parole au 81-85 pour vous exprimer sur un sujet de l'actualité. Et que pensez-vous de la marche de la transition en Guinée? Êtes-vous rassuré ou pas? On vous donne la parole et vous la prendrez aux alentours de 17h52 dans cette émission. Voilà donc le menu de ce numéro de Talk Politique, le deuxième de cette semaine. Bonsoir et bienvenue à tous. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Vous voulez réagir à cette émission, n'hésitez pas de nous écrire sur la chaîne YouTube de FIM 24 ou la page Facebook de FIM Guinée. Encore une fois, nous prendrons la possibilité, la peine de relayer vos commentaires dans cette émission et en direct en début de la deuxième partie. Emmanuel Milimono, bonsoir. Bonsoir Moustapha et bonsoir à tous. Et bienvenue dans Talk Politique. Et Ibrahim Sori, Lincoln Souma, bonsoir. Bonsoir Vicky, bonsoir à toutes et à tous. Le barbu. Ouais, très bien, nouveau look. Ouais, tout à fait. À la Charles Taylor. Oh, garde, hein. On peut dire aussi à la Baïdi, c'est toi qui dis tout. Hein. Alors, je le disais, Emmanuel, au menu de à l'entame de cette émission, Dr Ousmane Kaba, qui a été empêché de sortir du pays le week-end dernier, qui était finalement à la recherche d'une autorisation de sortie auprès des nouvelles autorités de la transition, des autorités de la transition, des nouvelles autorités de la Guinée, se retrouve finalement à la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale. Eh bien, moi, quand j'ai appris cette information, je me suis dit que c'est peut-être finalement la raison pour laquelle il n'a pas pu voyager la dernière fois. Mmh. Parce qu'il y a eu une explication comme quoi il faut une autorisation pour son passeport diplomatique pour qu'il puisse quitter le pays. Mmh. C'est vrai, c'est une explication quand même qui est fondée.
Mais finalement, à l'allure des choses, on finit par s'interroger, est-ce que finalement, il n'est pas sur le coup d'une interdiction de voyager. Parce que c'est vrai, il vient Serait-il visé par la CRIEF ? C'est la question qu'on se pose justement. Il y a eu un moment où on disait qu'Ousmane Kaba était convoqué à la CRIEF. C'est vrai, on n'en a pas eu écho. Il n'y a pas d'information qui est filtrée autour de cela. Mais ça a quand même circulé. Et aujourd'hui, il va tout simplement au secrétariat général de la présidence de la République. Ouais. Pour régler justement ces questions d'ordre de mission liées à son passeport diplomatique et il se retrouve à la direction centrale des investigations judiciaires. On se pose la question, est-ce que finalement Ousmane Kaba n'est pas concerné par une procédure? Parce qu'à l'allure où vont les choses, il y a quand même certains dossiers qui ont été cités par le procureur spécial Ali Touré, mais aussi par le procureur général Charles Wright, dans lesquels effectivement Ousmane Kaba peut apporter des informations, soit en tant qu'acteur direct, soit en tant que témoin. Mais quoi qu'il en soit, la justice a besoin de lui pour traiter certains dossiers. Il s'agit notamment du dossier du fonds cohésien. Mais il faut le notifier, Emmanuel. Mais on ne sait même pas ce sur quoi il est auditionné ce mardi. Oui, mais c'est aussi le travail de la justice. Pour l'instant, on est en phase d'enquête. La justice n'est pas obligée de mettre sur la place publique tout ce qui est en train d'être fait. C'est aussi cela le secret de l'instruction. La grosse question que je me pose, c'est pourquoi attendre jusqu'à ce qu'il soit prêt à sortir du pays pour le dire vous pouvez pas. Et quand il va chercher une autorisation, on lui dit bon, passez à la gendarmerie nationale. Là-dessus, il y a quand même beaucoup d'interprétations par rapport à la notification de l'interdiction de voyager. Il y a certains juristes qui font comprendre que l'interdiction de voyager n'est pas forcément notifiée directement à la personne. Elle est notifiée aux autorités qui ont charge de l'appliquer, la police des airs, ainsi de suite. C'est à elles que l'interdiction de voyager concernant une personne est notifiée. Donc, parce que c'est elles qui sont appelées à l'appliquer, pas directement à la personne concernée. Évidemment, c'est une version qu'il va falloir encore voir par rapport à l'arsenal juridique de notre pays. Mais je dis encore une fois que quoi qu'il en soit, Ousmane Kaba est forcément intéressé par un des dossiers aujourd'hui pendant devant la CRIEF. J'ai cité notamment le dossier Air Guinée. Vous avez le dossier des rails. Vous avez le dossier du concernant le fonds cohésien. Il y en a beaucoup dans lesquels Ousmane Kaba, même si ce n'est pas en tant qu'acteur direct, je le précise encore, mais ne serait-ce que peut-être pour avoir présidé ce comité d'audit des secteurs stratégiques de l'État, peut être appelé à donner des informations. Et aujourd'hui, on ne sait pas de quoi il s'est agi exactement. Ça a été interrogatoire. Bref, mais À la compréhension générale des choses, on peut bien se dire que ce n'est rien de surprenant. Il fallait s'y attendre. Ça va dans l'allure actuelle des choses. Tout le monde est susceptible de passer, en fait, à partir du moment où vous avez eu à avoir une parcelle de responsabilité dans l'administration. Vous êtes appelé à répondre de quelque chose. Alors, Lincoln, finalement, est-ce que vous vous attendiez à ce que Dr Ousmane Kaba soit auditionné cette semaine? Pas la date précisément, je peux pas m'exprimer en ces termes. Mais à partir du moment où il avait été, je m'attendais. Il lui a été interdit de sortir du pays. Mais bien avant cela, et Monsieur Kaba était concerné par la procédure. Vous savez, il m'a rappelé une situation certainement qu'on a tendance à oublier. Monsieur Kaba était le patron du CAS au moment de la première transition sous Konaté. Et ça, vous le savez très bien. Et ce CAS-là a eu à travailler sur beaucoup de dossiers. Et n'oubliez pas aussi que Monsieur Kaba est un ancien ministre de la République. Donc, il y a deux chaînes de responsabilité. Alors, rappelez-vous des sorties d'Akumba concernant Dr Ousmane Kaba à un moment donné ici dans nos émissions où il a fait comprendre que le docteur était convoqué, mais c'est avocat aurait dit qu'il n'était pas à Conakry. Donc, on n'a pas pris ça au sérieux. Aujourd'hui, ça continue. Mais moi, j'ai eu échange avec l'homme. Je crois que le dossier concernerait la gestion du budget de fonctionnement du CAS autour des 3 milliards. Donc, en 2010. En 2010. Et quand vous échangez avec Dr Kaba et son entourage, il vous fait comprendre que l'enquête menée par notre confrère ici, le fameux chèque les chèques, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas lui qui avait signé ce chèque.
il n'a nullement pas sa signature. Ça, il le dit à qui veut l'entendre. Et aujourd'hui, il a comme impression que peut-être des gens sont en train de montrer des cabales contre lui. Mais vous savez que la preuve de la charge, parfois, peut incomber aussi à l'accusé. Mmh. On est en matière de crime économique. Mmh. Donc aujourd'hui, si Dr Kaba est convoqué devant peut-être ce service de la gendarmerie, ça peut ne pas être étonnant. Mais l'homme se dit serein, on va voir la suite de la procédure et ce que ça va donner. Mais ne soyez pas étonnés aujourd'hui que des Guinéens qui ont été à une échelle de responsabilité soient convoqués devant la gendarmerie, devant la DPJ ou devant la CRIEF. Puisque nous sommes dans une situation où pratiquement on est en train de demander des comptes pratiquement à tous les dirigeants. Donc personnellement, ça ne m'étonne pas, mais on va voir ce que ça va donner. C'est que ça va donner, effectivement. Il y a quand même un aspect important que je voudrais souligner. Par rapport à cette fameuse histoire de chèque, j'ai eu la chance, c'est vraiment une chance, de voir la photocopie de ces chèques. Vous savez, dans les services publics, généralement, quand on fait un chèque remettre à une personne, soit à la décharge ou autre, on fait la copie du chèque. Mmh. Ensuite, on remet l'original au porteur. Mmh. Et ces chèques, j'en ai vu les copies. Il semble qu'il y en a 5. J'en ai vu 4. Et aucun des quatre n'est signé d'Ousmane Kaba. Okay. Tous les quatre que j'ai eu la chance de voir sont signés d'Alfred Matos, qui a remplacé Ousmane Kaba à la tête du CAS. Mais on parle d'un cinquième chèque. Un cinquième chèque qui ne serait pas forcément. Je le précise. Ce cinquième chèque, on en parle, mais je ne l'ai pas vu. Qui ne serait pas signé d'Ousmane Kaba, mais qui serait signé à l'ordre d'une personne proche de lui. C'est cela la confusion en fait. Il y a eu 4 chèques qui ont été signés à l'ordre d'une personne qui serait un cambiste. Monsieur Alfred Matos ne le nie pas, il a signé ses chèques. Le cinquième, il l'a signé à l'ordre d'une personne proche de monsieur Ousmane Kaba. Est-ce que ce pourquoi serait donc... C'est cela la question. Justement, oui, je voulais juste embrayer là-dessus rapidement. J'ai eu la chance d'échanger avec le docteur Kaba. C'est effectivement sa version. Il dit qu'il n'est pas signataire de quelconque chèque. Et mais n'importe son entourage, est-ce que c'est même monsieur Alfred Matos qui signerait. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a signé. Moi, j'ai vu la signature. Il l'a pas nié. De vive voix, il a confirmé à une source. La question qu'on pose, est-ce que ce fameux cinquième chèque est signé au nom est destiné à un proche d'Ousmane Kaba? En tout cas, pour le moment, je n'en sais pas trop, mais Monsieur Ousmane Kaba, Dr Ousmane Kaba dit qu'il n'a signé aucun chèque. Mais il y a des sources qui disent également que le signataire d'un autre chèque serait proche de Monsieur Ousmane Kaba et une personne, pour le moment, dont il ignore, puisqu'il dit ne pas avoir connaissance, en tout cas, d'une de ses signatures et... Il dit carrément que c'est Maître Alfred Matos qui signait les signatures. Donc le reste, on va suivre le déroulement de la procédure. C'est compliqué, mais comme je l'ai dit, on n'est pas étonné, en tout cas, que des responsables à tous les niveaux soient aujourd'hui questionnés par rapport à la gestion de quoi que ce soit. La question qu'on se pose dans cette émission, c'est est-ce que gérer une parcelle de pouvoir dans ce pays serait-il un crime économique, puisque, en tout cas, tous ceux qui ont eu des postes de responsabilité sont sous les viseurs de la CRIEF. Et parmi eux, deux ont retrouvé provisoirement leur liberté suite à une ordonnance de la Cour suprême. Il s'agit de l'ancien ministre Ismaël Diabaté du budget et Fola Mansaré, ancienne DAF du ministère de l'Enseignement.